ça marche, marche. Pour moi, les hôpitaux m'intéressent comme architecture, pour dire la vérité. Comment ça marche, quel est l'hôpital du futur, c'est une parole qui me donne un peu d'angoisse. Parce que qu'est-ce que c'est l'hôpital? L'hôpital abstrait, conceptuel, platonique. Je pense que de toute façon, à un moment donné, il faut la conjonction de plusieurs choses pour réussir un projet. D'abord, il faut qu'il y ait des gens qui soient, entre guillemets, un peu des visionnaires. À la fin des fins, on est tous là pour soigner des patients, pour améliorer la condition de vie, pour améliorer les résultats cliniques et pour permettre qu'ils puissent reprendre une vie meilleure, ou en tout cas pour donner l'espoir de vie meilleure. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de l'aménagement du territoire. Un deuxième point, à mon avis, un mot-clé très important, c'est la péréquation. On ne pourra pas avoir un aménagement harmonieux du territoire prenant en compte l'ensemble des problématiques et notamment celui de la biodiversité, s'il n'y a pas une péréquation entre les communes qui consomment à tout va pour se développer et les communes à qui on demande de protéger parce qu'ils ont eu, selon eux, la malchance d'être dans un endroit extrêmement riche. À mon avis, l'architecture de la ville s'est bâtie pour des fragments aujourd'hui. C'est une condition de la culture contemporaine, je ne suis pas moraliste, c'est bien ou mal. C'est ça, on bâtit la ville avec des fragments. Il y a beaucoup de types de fragments hospitaliers. Il y a le petit pavillon, le grand hôpital, la métropole, il y a l'hôpital des experts. Alors je ne peux pas dire l'hôpital du futur. Cette construction historique qui servait à soigner les patients d'un jour, comme je disais, alors que nous sommes aujourd'hui les patients tous les jours. Nous sommes des patients d'une vie, donc toute notre vie est consacrée en fait en pathologie. Il y a des pathologies chroniques qui se sont développées et qui font que finalement, et puis, je dirais, les progrès technologiques font qu'on vit plus longtemps avec la maladie. Donc je dirais, que ce soit les progrès technologiques, que ce soit l'épidémiologie ou l'évolution des pathologies, on se retrouve aujourd'hui dans un besoin et dans une attente de la part du patient qui est très différent par rapport à celle pour laquelle on avait construit ces réseaux. Depuis la fac de médecine, il faut qu'on repense complètement le modèle nosologique. On en est très très loin. Et du fait que le modèle dit hippocratique, c'est-à-dire d'Hippocrate, fondé sur le diagnostic, la pathologie, l'identification, et le modèle économique, qui est lié aux médicaments, qui est lié au paiement à l'acte, et qui est le problème d'un management d'une maladie, qui est vraiment le mainstream de toute la pensée, de tout le modèle économique, va progressivement s'estomper, va tomber caduque au profit d'un modèle de conséquences de la maladie, d'aménagement, d'accompagnement, qui va être le management d'une situation et non plus le management d'une maladie. Alors l'hôpital, ce n'est pas un programme qui limite l'imagination, la création. Je pense le contraire, c'est quand il n'existe plus de difficultés, on s'approche de la qualité. Ce qu'on appelle dans la médecine ou dans le secteur de la santé les patient empowerment, c'est-à-dire en fait l'appropriation du patient de son propre parcours de santé, de sa propre vie en tant que patient, en fait on les retrouve dans tous les secteurs, au point où on a parlé justement avec des amis qui sont dans ces secteurs de l'économie, dans les années à venir, probablement nos enfants, ils auront un comportement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des services, vis-à-vis de l'économie, qui sera très différent. Donc on parle de l'économie de partage, qui pose un certain nombre de problèmes du rôle des gouvernements dans cette réglementation, mais qui au fond, et ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui intéresse cette réflexion autour de la santé, donne le pouvoir à celui qui est le consommateur. Donc le consommateur reprend les pouvoirs. Ce type de réflexion, avec une préoccupation environnementale, une préoccupation de confort, de lien entre les personnes et de sécurité des trajectoires. Avec aussi, dans le parcours de soins et le financement par parcours de soins, une augmentation très importante des soins faits en ville demain, hors des établissements, avec de plus en plus d'équipes spécialisées, de proximité, d'équipes mobiles, etc. Je ne vais pas énumérer tous les sigles qu'il y a derrière cela, plus les intégrations de territoire. Et je pense qu'il y a non seulement une architecture de ces coordinations, et pas simplement en processus, hein, mais aussi en béton,
et qu'il y a aussi une urbanisation qui va permettre cette coordination des acteurs. Et là, on a, à mon avis, à construire la ville de demain. Et cette ville de demain, c'est un grand ensemble, évidemment, puisque c'est une ville. C'est le lieu où la plus grande partie des personnes âgées va vivre, parce que si à la campagne, on les voit parce qu'elles sont en proportion plus importante, en valeur absolue, elles sont en ville, les personnes âgées, et qu'il faut que l'on repense les quartiers de demain, ou les îlots, je ne sais pas comment il faut l'exprimer, mais en tout cas, voilà. Que la Domus soit entourée d'un environnement de proximité communautaire et plus largement urbaine, qui favorise sa vie avec qualité, sans avoir recours à des établissements spécifiques, hormis une maladie qui l'impose. Et là, on aura vraiment gagné beaucoup, et y compris d'ailleurs, on aura diminué les coûts. La vie est beaucoup plus saine dans des villes qui possèdent des milieux naturels fonctionnels. Il faut résoudre le problème du point de vue comme un iceberg, à mon avis, complètement rigoureux, et après ajouter, après, je dis toujours après, parce qu'il y a d'autres qui font avant, mais à mon avis c'est un désastre, après ajouter, pas d'un point de vue conscient, c'est dans l'effort des 40 maquettes que je parlais, on arrive à faire des choses d'une autre façon, qui est inclus la résolution du problème, mais c'est agréable, les gens peuvent être là, être plus heureux, et communiquer une autre façon de voir le monde. Comment penser l'habitat si on ne pense pas à ce qui est autour de l'habitat ? Plus de nature dans les villes aurait un caractère apaisant et probablement parviendrait à résoudre peut-être certains problèmes qu'on constate aujourd'hui. Alors modestement, mais en tout cas, je pense que ça joue un rôle. Et je crois que ces espaces verts de proximité sont extrêmement importants dans leur caractère pédagogique, mais aussi culturel. Dire, regardez la littérature, regardez les arts. On travaille en équipe et on arrive en équilibre, ça. Et la plus grande leçon, c'est l'histoire, parce que la plus beau architecture soutenable, c'est l'architecture ancienne, vernaculaire. Il y a bien le climat, les matériaux culturels, etc. Il n'y avait pas des experts là. C'était la sagesse du temps, génération en génération. On ne peut pas la copier, sinon on devient ridicule. Mais il faut la comprendre, à mon avis, dans l'esprit et le concept, comment ils font avec, et nous, avec ces technologies et les matériaux, comment on peut faire la notre architecture, entre guillemets, vernaculaire aujourd'hui. Parce que sinon, c'est un désastre. Les Néerlandais, c'est comme les Japonais. Les Japonais vivent avec le risque de tremblement de terre depuis des siècles. Eux, ils vivent avec le risque d'inondation depuis des siècles. Quand on donne une chance à la nature, elle peut reprendre ses droits. Et il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une résilience qui est plus ou moins grande, c'est-à-dire la capacité pour la nature de se reconstituer à condition qu'on lui en donne la possibilité. La ville résiliente, ça fait partie de la ville durable. Si la ville ne peut pas rester sur ses deux jambes quand malheureusement tout s'effondre autour d'elle, elle ne sera pas durable. Ça, c'est très clair. Il faudra reconstruire ailleurs. De réussir le pari considérable qui est une modification de la structure d'âge, une contraction des moyens financiers et des capacités de redistribution, une problématique environnementale qui est unique, et pas que les énergies fossiles, qui est globalement unique et vous en êtes très sensible, et puis de l'évolution de l'anthropologie auquel on va avoir affaire, qui est nouvelle. Il faut que l'ingénierie française, les architectes, cabinets d'ingénieurs conseils, plus les sociétés qui ont des solutions à apporter dans ce domaine parce qu'elles opèrent des réseaux essentiels à la vie, s'unissent pour essayer de vendre cette expertise à l'international. On le fait déjà dans le domaine du solaire, dans le domaine de l'industrie hydroélectrique, mais là on est sur de la ville durable. Moi j'aimerais qu'on arrive à s'unir sur de la ville robuste. Et il y a des solutions à apporter, il y a de la demande dans ce domaine. Et pour moi la ville robuste prend aussi en compte les problématiques d'attentats. Si on ne garantit pas une perspective
de qualité de vie jusqu'au bout pour les plus jeunes, il est inutile de penser qu'on peut faire nation, région, collectivité. Et ça, c'est un enjeu aussi anthropo-sociologique, mais qui est capital. M'intéresse beaucoup les hôpitaux comme architecture elle-même. On doit passer pour tout ce qui fait partie du métier de l'architecte. Les murs, qu'est-ce qu'on fait ? Funéral, minéral, végétal, la fenêtre, la porte, le couloir, la galerie, les jardins, le patio, le public, le semi-public, les techniciens, les entrées. On doit avoir beaucoup d'entrées, pourquoi beaucoup de systèmes et de fonctions, mais on ne peut pas ouvrir parce qu'on ne contrôle pas ces entrées. Et surtout l'échelle, parce que quand on bâtit un hôpital, et la fin d'architecture, c'est la chose plus difficile, l'échelle, parce qu'on ne peut pas la mesurer, c'est un problème de smell. Quelle c'est l'échelle, on ne sait pas. Mais c'est ce qui donne la condition de rester bien en main. Enfin, il y a tout un tas d'acceptions de ce que c'est la nature, mais en tout cas ce qu'on est sûr, c'est que les gens la réclament. Et de plus en plus de gens réclament ce besoin de nature. Et il y a maintenant d'ailleurs des indicateurs que vous connaissez sûrement dans vos métiers qui calculent le taux d'espace vert par habitant et qui en font un indice de qualité de vie. Moi, je pars du principe que le changement climatique, on ne doit pas le subir. Il faut que ça soit une opportunité. Vous savez, c'est le même idéogramme chinois qui signifie crise et opportunité. Pour être obligé de travailler avec cette nouvelle anthropologie, de travailler différemment le psyché et le soma. Et ça, c'est un élément très important, puisque le cognitif, c'est la relation à l'environnement, à l'espace et aux autres. Ça va nous intéresser pour concevoir peut-être l'habitat et la ville de demain. Donc il faut vraiment qu'on fabrique des systèmes qui puissent fonctionner et qui puissent abriter un véritable écosystème. Ce qui d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est une bonne occasion de le dire maintenant, qui génère aussi des comportements et des relations entre l'homme et son environnement nouveaux. Quand on est opérateur de réseaux essentiels à la vie, hein, pour moi c'est l'eau, l'assainissement, l'électricité, les télécoms, après viennent la santé, bien évidemment l'éducation, le transport, eh bien on se doit de se rétablir le plus rapidement possible sur nos deux jambes, parce que de nous dépendent trop de gens. Parce que aussi la nature est un écosystème artificiel qui est complexe, donc qui est intéressant à étudier, et qui est en relation avec son environnement proche, c'est-à-dire que ça aussi c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ça ne sert pas à grand-chose de s'intéresser à la biodiversité d'un square, d'une usine ou d'un territoire urbain si on n'envisage pas ses relations avec l'extérieur, l'extérieur dans la ville, mais l'extérieur aussi autour de la ville et dans son environnement immédiat, et les interrelations entre la ville et son environnement sont extrêmement importantes. L'enjeu de demain pour la personne âgée, c'est la proximité, et la proximité, c'est le territoire. Et donc, il y a véritablement une sorte de cohérence, de synergie entre une réflexion de territoire et une réflexion personne âgée. Quand il y a une crise véritablement de fourniture d'hydrocarbures, type blocage des ports, on est potentiellement impacté. Quand on a une grande crise neige, comme c'est arrivé, rappelez-vous, il y a 2-3 ans, avec la région parisienne bloquée sur sa partie ouest en particulier, on peut avoir des problèmes de réactifs. Donc tout ça, ça s'anticipe aujourd'hui. Conclusion, les problématiques climatiques, comme les problématiques effectivement de rupture d'interdépendance, se doivent d'être particulièrement prises en compte par un exploitant de réseaux essentiels à la vie. Il ne suffit pas d'avoir des réservoirs de biodiversité, donc des zones protégées pour la nature. Il faut aussi les mettre en relation, parce que si on ne les met pas en relation, il y aura les flux de gènes. La capacité de se déplacer sera altérée. Et c'est d'autant plus important dans un contexte de changement climatique. Et on voit que la ville s'est bâtie avec une hiérarchie entre résidences et monuments. Alors, on a besoin de monuments, mais on ne va pas faire les temps de Mitterrand sont finis vers le grand art, comme ça. Alors, on doit prendre ces opportunités des édifices de grande échelle avec ensemble. Palais de congrès nécessaire peut-être, un hôpital, pour faire un peu le mélange entre les deux échelles, la résidentielle, la publique et la grande échelle. Alors quand je dis je préfère les hôpitaux près du centre, c'est exactement pour avoir jeu de changement d'échelle, que c'est la définition elle-même de ville, ce n'est pas la monotonie. Effectivement, je souhaite vous montrer qu'on peut
s'y adapter, qu'on peut anticiper et que de toute manière nous n'avons pas le choix et que notre survie passe par là. C'est comme le terrorisme. Nous vaincrons le terrorisme à la fois, certes, en mettant des gardiens, mais il va falloir repenser la manière dont on accueille le public dans nos salles de spectacle, dans nos stades. Qu'est-ce qu'il faut à une personne pour aller chercher son pain? Quel est le périmètre d'accessibilité et d'autonomie restante? Comment aménager l'espace pour que le maximum de personnes puissent être en situation d'autonomie sur des services essentiels? On est passé d'une structure qui était d'hébergement, parce que justement on passait du temps en ligne, à une structure de traitement, donc qui est plus proche d'une plateforme dans laquelle en fait, on parle des plateaux techniques, donc c'est-à-dire on gère des flux, à une structure qui, moi je pense, celle de demain, moi j'appelle l'hôpital interface, c'est-à-dire qu'en fait, et sera peut-être plus dématérialisé, mais sera plus proche, c'est-à-dire en fait plus proche dans la relation. Mais les principes base que sont le métier, le mur, la fenêtre, la porte, le toit, l'échelle, ça c'est nous qui seulement qu'on peut répondre, parce qu'on paye pour nous répondre bien. L'eau, jusqu'à un passé récent, on lui a tourné le dos, on l'a un peu nié, on l'a muselé, on l'a canalisé. Quand il a vu les photos satellites, quand il a vu les prévisions météo, il s'est dit « je vais prépositionner du matériel ». Donc je vais demander aux SDIS d'aller dans certains endroits avec des matériels de groupe électrogène, des matériels de pompage pour pouvoir intervenir dès que la crise sera terminée, en plus près des populations. Heureusement, il a bien fait. Voilà. Donc là, le savoir-faire d'un bonhomme qui évite une situation bien plus dramatique que ce qu'il en aurait pu être, même si l'impact humain était très très fort et l'impact matériel particulièrement fort également. Nos relations avec la rivière sont en train d'évoluer et ça montre bien que l'eau est quand même un élément extrêmement important. On pense que la qualité de l'architecture, ça veut dire la qualité de l'environnement, de la géographie, on fait avec des règles. Et ce n'est pas vrai. On fait avec du travail et réfléchir et avec beaucoup de temps. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas de temps, vite, vite. Et beaucoup de fois, c'est un alibi. Ce n'est pas pour les choses venir bien. Et c'est du business. Des zones naturelles, donc qui constituent des zones d'expansion des crues, tout à fait importantes pour la ville et qui sont évidemment aussi des écosystèmes remarquables. D'ailleurs, ce sont des écosystèmes qui sont remarquables parce qu'ils sont inondables. S'ils ne l'étaient pas, ils seraient beaucoup moins intéressants. Il faut bien comprendre que la crue est vécue comme une catastrophe lorsqu'elle n'est pas prévue, lorsqu'elle n'est pas intégrée, mais pour les écosystèmes, c'est un moyen de remise à zéro et c'est le moyen de maintenir des milieux pionniers de grande qualité. Et dans les faits, l'impact économique, l'impact démographique, l'impact santé publique est énorme. Donc tout ça pour dire que ces infrastructures, il va falloir mieux les protéger, parce qu'aujourd'hui, les sites Céveso, typiquement, je pense, sont sous-préparés à gérer du désastre naturel et sont sous-préparés à gérer de la malveillance. À partir d'une certaine dimension, on ne parle pas d'architecture, mais on parle d'infrastructure. C'est comme on dit, par exemple, le dernier hôpital qu'on a fait, on avait un peu de peur de la dimension de la façade, et on a mis la comparaison avec l'aéroport de Madrid, qui est à 1 km. Et on dit, il y a des édifices avec 1 km, ce sont des infrastructures. Alors, quand on parle de fabrique de ville, c'est un aéroport comme un hôpital, il fait l'attraction de services énormes. Après, il arrive le taxi, il arrive le métro, il arrive le bus. Après le bus, il y a un petit café. Après, c'est l'entrée, c'est le journaux. Après, c'est les garages, c'est les maisons qui vendent les pneumatiques. C'est un supermarché parce que les gens n'ont pas le temps. Quand ils sortent de l'hôpital, ils vont à la maison. Ils disent, ah, je n'ai pas de porte-terre. Et ça, c'est cette attention, cet effet de commencer à avoir des services à côté. Après, c'est un hôtel pour la famille visiter qui est malade. Après, c'est le coiffeur parce qu'elle ne veut pas lutter le mari sans aller au coiffeur. Et tout ça commence et ça fait la vie et la vie. Je pense que par rapport aux besoins des patients aujourd'hui, les structures hospitalières, publiques ou privées, sont inadaptées parce que structurellement, conceptuellement, ne sont plus adaptées par rapport aux besoins. Les besoins des patients sont à la maison, sont en ville, et un peu à l'hôpital, et de moins en moins à l'hôpital. Ils ont une sorte de magie extraordinaire à mettre ensemble les personnes. C'est un ciment social, et il faut vraiment qu'on saisisse cette chance de faire communauté
de faire vie ensemble avec dépassement de différences quelquefois qui s'exaspèrent autour de ces personnes âgées. Je ne suis pas responsable pour seulement les choses que je peux le faire ou que je suis obligé à faire, mais je suis responsable un peu pour les choses que je devais faire et je n'ai pas fait. Donc si on a de l'hôpital qui est capable d'intégrer grâce à la géothermie, à du solaire, effectivement des moyens de résilience, bah, c'est du temps de gagner sur le retour à la normale. Alors, moi je défends beaucoup que l'hôpital, ce n'est pas une pièce isolée, autosuffisante, mais c'est un très bon instrument parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes publics pour nous aider à nos architectes. Évidemment, l'hôpital aide toute la communauté, mais nous, comme techniciens, il nous aide beaucoup parce que c'est une espèce de Neufeld. Il y a beaucoup d'architectes qui sont. Et là, on trouve comme un cours d'architecture d'expérience. Et c'est ça, c'est bien pour nous-mêmes comme architectes, comme exercice de langage, et c'est bien comme instrument de bâtir la vie. Mais c'est vrai que le ferment de la réussite, c'est quand même au départ quelqu'un qui a une vision pour son territoire et qui la met en œuvre. Une des vraies problématiques dans le monde de la santé, c'est qu'il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de protocoles, il n'y a pas d'organisation, parce que ça reste un art. Et on a du mal à convaincre les corps médicaux de se mettre autour d'une table et ensemble, eux-mêmes, de déterminer quels sont les protocoles des soins. Donc aujourd'hui, vous êtes soigné de manière différente selon les praticiens, selon l'équipe, selon l'hôpital, et toujours dans le même pays. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça déjà, c'est un bon état. L'empathie, ben, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, comme vous dites aujourd'hui. On est dans un monde d'hyperspécialisation dans lequel on est arrivé au point où on sait, en fait, les médecins sont de plus en plus des techniciens ou des hyper-techniciens qui n'ont même plus le temps ou l'envie d'écouter les patients. Les professionnels, quel que soit leur champ de compétences, y compris les médecins, on arrête de penser qu'on fait l'aumône quand on sert une personne âgée avec nos grandes compétences, mais qu'on inverse complètement la culture, c'est-à-dire qu'on est là à l'écoute d'une compétence que l'on a apprise et qu'il va falloir modifier pour se mettre au service. La meilleure culture d'entreprise, c'est faire à vos employés ce que vous souhaitez qu'on vous fasse à vous. C'est-à-dire qu'en fait, la relation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la culture de management des relations des ressources humaines, et le troisième, ce sont les indicateurs cliniques. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous sortez, il y a une batterie d'indicateurs cliniques pour lesquels on voit si la qualité médicale est la bonne. Si vous prenez ces trois éléments-là, vous avez les meilleurs systèmes de santé du monde. Le jour où on va y arriver pour les personnes âgées, on y arrivera pour des personnes handicapées, pour des personnes en situation de grande difficulté culturelle et économique. Et donc que finalement, la personne âgée, anthropologie nouvelle, mais peut-être derrière, société différente. Donc là, c'est une invitation à un changement de paradigme, avec là, pour le coup, une carotte qu'on n'a pas quand on sert les personnes les plus pauvres. C'est qu'en plus, il y a peut-être du bénéfice à faire. Voilà, il faut qu'il y ait un vrai changement de nos conceptions en termes d'urbanisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, la biodiversité, c'est souvent la cerise sur le gâteau, alors qu'à mon avis, ça doit vraiment être quelque chose qui soit pris très en amont. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, sont, en termes de pensée, dans une hésitation d'affirmation, tellement la prédominance démographique, contemporaine d'une prédominance économique, prédominante d'une fécondité intellectuelle incroyable, a fait que c'est une sorte de pensée qui s'impose avant qu'on ait commencé à penser, une sorte d'inconscient collectif, dirait Durkheim. Et la pensée de cette génération, c'est un peu l'impensé des jeunes. Et là, il y a une vraie difficulté. Le travail des seniors, c'est de transmettre. Et une génération qui a fait rupture avec la tradition pour faire quelque chose de neuf, a du mal à se mettre dans les habits d'une paternité qui transmet. Et on a une vraie difficulté avec les jeunes, qui ne pensent pas qu'ils ont des idées neuves,
qui ne pensent pas que leurs idées sont bonnes, qui sont quelquefois confinés sur une culture qu'ils entretiennent dans la sous-culture, pour pouvoir contourner le bloc incroyable idéologique et générationnel de cette génération. Aujourd'hui, je n'imaginerais pas un monde dans lequel il n'y aurait pas de la biodiversité. Enfin, ça serait invivable. Et on s'en rendrait compte très rapidement. Et d'ailleurs, nous qui avons la chance d'être dans un pays développé et qui sommes des gens qui pouvons voyager, qui pouvons aller voir ailleurs, donc on n'est pas carencés, voilà. Mais les gens qui en sont privés au quotidien, ils en ressentent sans vraiment s'en rendre compte et sans faire la relation, ils sont extrêmement mal. 70% des gens qui fréquentent l'hôpital ont plus de 70 ans. La question est réglée. L'hôpital public a le monopole de la personne âgée. L'hôpital public a son budget par la personne âgée. Eh bien, sachons garder les personnes âgées avec les meilleurs soins, c'est la sauvegarde de l'hôpital public et c'est un bon service à la personne âgée. Cette reconnaissance de la valeur de la biodiversité, au moins à court terme, est vertueuse. Ceci dit, mon sentiment, c'est qu'une société qui n'est capable de protéger la biodiversité que si elle lui rapporte de l'argent est une société en perdition. Je pense qu'il y a des valeurs éthiques et des valeurs culturelles qui doivent être présentes. Et si elles se perdent, et si derrière le seul moteur de l'action c'est l'argent, je pense que nous n'avons pas pour longtemps, pour des raisons autres que simplement des aspects vitaux. La complexité, ce n'est pas l'alibi pour ne pas faire bien au bon. C'est le contraire.